Aujourd'hui, nous allons parler du hérisson. Le hérisson est apparu bien avant les mammouths et il est toujours présent dans nos jardins et en campagne. Ses pattes peuvent paraître courtes, mais lui permettent de trottiner jusqu'à 10 km/h et de parcourir jusqu'à 4 km par nuit. Il a une bonne ouïe qui lui permet de repérer un danger ou des proies, les vers de terre ou les limaces par exemple. Son nez peut aussi l'aider à chasser ou à identifier un autre hérisson. La technique de défense des hérissons? Eh bien justement, c'est de hérisser ses piquants quand arrive un prédateur. C'est comme la chair de poule. Il fait redresser ses piquants sur tout son dos et peut même les pencher sur sa tête et se pelotonner sur lui-même pour mieux se protéger. Notre hérisson s'active surtout la nuit. On le trouve partout en France, dans les bois, les parcs et les jardins. C'est pourquoi il faut toujours faire attention avant de bouger un tas de bois ou bien des objets sous une bâche. Ce sont des endroits qu'il aime et il peut se trouver en dessous. La nuit, le hérisson mange beaucoup de bébêtes dans les potagers. Des coléoptères, des sauterelles, des vers de terre, des limaces, des escargots, des cloportes, des araignées. Il mange aussi à l'occasion des petites baies, des petits fruits mûrs ou des champignons. Le hérisson vit seul, mais peut héberger parfois des centaines de puces. Il hiberne beaucoup. En automne, quand le jour diminue, il s'endort régulièrement de plus en plus longtemps. Puis, vers fin novembre, il se met en hibernation. S'il fait très froid, sa température générale peut descendre jusqu'à seulement 1 degré. Il ne respire alors que 3 ou 4 fois par minute. Mais comment fait-il pour tenir aussi longtemps sans manger? Grâce au stock de graisse qu'il s'est constitué à l'automne. Il existe plusieurs sortes de hérissons. Celui que l'on trouve en France s'appelle le hérisson d'Europe. Il y a aussi le hérisson oriental, qui est aussi un peu en Europe, et il y en a d'autres encore. Par exemple, le mignon petit hérisson à ventre blanc qui vit en Afrique. Comment rendre un jardin attirant pour les hérissons? Voici quelques conseils donnés par le Hameau des hérissons, dont je laisserai le lien sous la vidéo. J'aime les haies feuillues, car je peux m'abriter dessous. Laissez-moi un tas de feuilles mortes pour faire mon nid. J'aime la végétation diversifiée. Gazon, pissenlit, mousse, fleurs, plantes diverses, buissons, haies, arbustes, arbres. Il y a des bêtes à manger là-dessous. Et j'aime les tas de compost. Ils me procurent de la chaleur et de la nourriture abondante pour mes petits.